Bonjour à tous, je suis Angélique Kidjo et je suis auteur, compositrice et interprète. Je suis sincèrement désolée de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui à Abidjan, au Massa. L'Afrique est une région du monde qui m'est très chère. La musique qui irrigue mes veines vient d'Afrique. En tant qu'artiste béninoise, africaine et vice-présidente de la CISAC, je soutiens toutes les initiatives qui peuvent contribuer à mettre en valeur les talents africains et améliorer la vie des artistes en Afrique. La copie privée est une mesure juste et équitable qui, si elle était appliquée sur tout le continent pour être transformée durablement et pour le meilleur, la vie des créateurs en Afrique. Il s'agit d'une mesure simple à mettre en place et qui est porteuse d'un vrai changement. Car tout simplement, les créateurs touchent une rémunération en échange de la possibilité pour tous de réaliser des copies de leurs œuvres sans autorisation préalable, sur tout type de support physique comme en ligne, ordinateur, téléphone portable, CD, etc. À ce jour, Seuls quatre pays africains ont adopté cette rémunération pour copie privée. On peut faire mieux et on doit faire mieux. Il est impératif que de plus en plus de pays en Afrique traitent leurs créateurs avec le respect qui leur est dû et adoptent des mesures qui protègent et protègent leurs droits. La copie privée en fait partie, de même que la gestion collective des droits ou encore la lutte contre la piraterie. Ces dernières années, j'ai pu constater un véritable progrès en Afrique dans le domaine des droits d'auteur. Je vous souhaite un très créatif et productif panel sur la copie privée au Massa. Je vous dis à très bientôt.